Renvoie-nous à une autre vidéo et Pokémon Violet. Je dois y retourner. Retourner au début à la ville que j'étais censé visiter en premier et au chef pâtissier que j'étais censé affronter en premier pour obtenir un badge. C'est ça qui est au programme de cet épisode. Cet endroit s'appelle Sevaro. Je ne sais pas si ce nom a une signification particulière. Il y a des insectes. Insectes partout et regardez ici, je peux même les arrêter moi-même. Allô, Al, c'est moi, Manzi. Manzi, ça se passe bien. Ton tour de reine, tu es où là? Cet endroit s'appelle Sevaro. Ah, ça alors, je suis pas loin. Attends-moi, je t'y rejoins. Ouh, Manzi visite. Oh, Manzi ici. Manzi est ici, ah, te voilà. Ouais, t'as déjà deux badges. T'avances vite. Oui. Et t'as donc choisi cette arène pour la troisième. Oh, je pense que tu devrais y arriver sans problème, mais... Je veux en être certaine. Alors, porte-nous. Ça te servira d'entraînement de plus. Bonne idée. Ben, ça a l'air motivé, dis donc. Bon, c'est décidé. Ah, Manzi. Allons sur le terrain de combat. D'accord, Manzi. Le terrain pour combat. Tu veux un conseil avant de attaquer à une arène, va voir à quoi? Quoi? Ressemble le terrain de combat de la ville. Ça aide de savoir où il est situé et sur quel type de sol il a été bâti pour adapter ta stratégie. À quoi rapport? Mais je le vois tous de suite à ton regard. Tu progresses, vous, d'elle? Peut-être qu'il est temps que je te présente certains de mes meilleurs Pokémon. S'il vous plaît. Tu es prête, Al? C'est maintenant qu'on se bat. Ah, yeah. Let's go. Faisons de ce combat une autre belle expérience. C'est parti. Rakabo! Oh! Et mon favori. Ce combat te servira d'entraînement pour ta prochaine arène. Facile. Pomme. Oh, pomme. Matrosion. Oh, le nouveau chat. Regarde, c'est la nouvelle passagère. Il s'est levé soupe. C'est pâtes arrière. Ouais. Est-ce que vous aimez voir ce chat se lever? J'aime cette évolution. Il est temps de transformer ce favori noir comme la nuit en sa véritable forme, le fée noctelée. Peut-être pas très impressionnant, mais j'aime l'esthétique. Nous, le vent se fait, le chat a explosé. Al, je compte sur toi pour devenir encore plus forte. Oh, ça me ferait trop plaisir qu'on fasse plein de combats ensemble. Merci en tout cas, et bonne chance pour ton examen de reine. Oh, merci beaucoup, Manzi. Bienvenue à la reine de Sevaro. Bien, si c'est le ne vous dérange pas, je vais tout d'abord vous inscrire. Ah, c'est ça. C'est bien noté.
Vous devez débattre sur l'examen de reine avant de pouvoir affronter le champion Hera. Et dans notre arène, l'épreuve consiste à participer en roule olive. Voyez-vous, notre ville est réputée pour sa production d'olives de qualité. Oh! Cela fait plaisir aux générations que nous organisions la fête de l'olive avant de nous atterrir. Ah, de bons récoltes pour réaliser l'examen. Vous devrez poser un ballon en forme d'olive jusqu'à la ligne d'arrivée. Si vous y parvenez, cela sera de bon augure pour les récoltes de l'année prochaine. Ok. Bien sûr, le personnel sur place se fera un plaisir de vous fournir des explications plus détaillées. La place Roule Olive se trouve au nord de ville. Je la ajoute à votre carte. Bonne roulade. Quoi? Merci. Ok. Si vous souhaitez participer au Roule Olive, c'est ici que se passe. C'est un épreuve physique où il faut poser en jet un ballon géant ressemblant à une olive. Si vous arrivez à guider le ballon jusqu'au panier, allez arriver. Tout en fashion, ce sont les obstacles. Sur votre route, vous réussirez l'examen. Voilà, vous savez tout. Alors, êtes-vous prête à passer votre examen de reine? Oui. Parfait. En pendant que vous pouvez le ballon, pensez en nous souhaiter une bonne récolte. Oh oh, roule olive. Olive ballon? Oh, le corse? Oh, le ballon. Examen de reine. Roule olive. Les relures de Olivia les amusant. Waouh, c'est très amusant de faire rouler ça. Madame, combat? Facile. Et bonjour, combat avec moi? Disparu. Goal! Fini! Terminé! Ah, c'est tout bon courage pour votre combat face à la championne! Je vais retourner. Ah, j'ai entendu dire que vous avez excellé l'os de roule olive. Oui, vrai! Félicitations, vous avez réussi votre examen. On peut dire que vous ne vous êtes pas roulé les pouces. Vous pouvez désormais affronter notre champion. Bonne chance. Merci beaucoup. Souhaitez-vous affronter la nymphe pâtissière et champion de cette reine? Oui, maintenant, vite. Dans ce cas, voyez me suivre, je vous prie. Je vais vous conduire sur le terrain de combat. Hera. Mange à ta femme, c'est tout, mon petit prismillon d'amour. Oh, prismi. Tiens, mais quel tracisse là, alors. Ravissante, nous avons là. Merci beaucoup d'avoir participé au Roule Olive. Ta technique était impeccable. Bien, merci. Oh, mais c'est vrai, j'ai oublié de me présenter. Oh. Je suis Hera, le chef pâtissier de l'établissement Pâtisse en Boule.
Oh là là, excusez-moi, c'est vrai que nous ne sommes pas dans ma pâtisserie. C'est la reine. Je suis désolée. Je peux te patouger un peu dans le caramel? Laissez-moi recommencer. Je suis Era, le champion de cette arène. C'est que je pose davantage de temps à faire de gâteaux à la pâtisserie qu'à me battre ici. Pour moi, les gâteaux sont comme les Pokémon insectes qui se cachent parmi les plantes. Ils sont petits, mais renferment un grand pouvoir. En leur occurrence, celui de nous rendre heureux. Oh! Alors, j'espère que tu aimes le sucre et que tu n'as pas peur de piqûres d'insectes. Parce qu'ici, tu vas avoir trois ou deux à la fois. Ok, il pleut. Aussi. Insecte femme. Le littéral. Oh, petite Pokémon. Mon Pokémon très présent. Ne sous-estime pas mes Pokémon insectes. C'est une blablabla. We should have gone here first, but we didn't. And now we're very strong. Done. Fini. Mort. Immédiatement. Tisan boule. Le. Boule. Boule de tisan. Tisan boule. Un autre mocheur qu'attaque. A fini. Terminé. Deux. Duxim. Et le trois Pokémon Teddiursa. Oh. Même nom. Tu te débrouilles plutôt bien. Je vais te. Le Teddiursa insecte pour le battre. Un autre mocheur. Ce degré se lit à dévoiler tout ta splendeur. Ok. Yes, ta cristallisation. Oh, un bon mécanique. Le insecte Teddiursa. Wow. J'adore le chapeau de l'insecte pour insecte. Oh, une autre manche est finie. Et voici le père chat. I can't read. Talad. Oh, c'est bon, c'est bien. Mon cher. Fini. Le battre terminé. Le Teddiursa explosé. Wouh. Vite battre. Le combat très vite. Mega Sangzu. Bon. C'est incroyable. Ta force n'a pas cessé de gonfler comme un bon souffleur fort. Je crois que moi aussi, j'aurais bien besoin de développer ma technique de combat. Ok. En tout cas, c'est encore un secret succès pour toi. Bien joué. Ah. Une photo? Voici le badge de la reine qui te permet de prouver que tu m'as vaincu. Et tu sais ce qui rendrait cette victoire encore plus délicieuse? Le saveur avec une de mes spécialités, pastries. Oh, les photos. Bon. Ouh. Voyons. Tu as donc trois badges d'arène des sommets. Tu pourras attraper des Pokémon jusqu'au niveau 35 bandes. Alors, je ne sais pas si tu es au courant, mais grâce à la machine à CD, je sais. Merci.
J'espère qu'avec ça, le chaman qu'il te reste à parcourir sera un peu plus doux que sa voix. À une prochaine fois. Au revoir. Bon. Oh, 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 excusez-moi. Madame. Madame. J'ai assisté à ta victoire dans le règne tout à l'heure. Tu t'appelles Al, n'est-ce pas? Oui. Tu cherches à rendre le vrang maître, toi aussi? Frère. Cela fait plaisir à attendre. Tu as un talent rare pour ton âge. N'a pas peur. Des visières plus hautes, de grandes choses t'attendent. Pardon, je réalise que je ne me suis pas présenté. Frère, ton nom? Je m'appelle Alisma. Je suis la présidente de la Ligue Pokémon et j'assure la question de Rennes. Ouhouhou! Présent, femme, Alisma. Où est-ce que tu rassembles les badges? Et je pense que nous serons amenés à nous revoir. En attendant, je te souhaite une bonne journée. Bonne journée. Merci. Et fini. Merci beaucoup pour regarder la vidéo. Bye bye. Salut.